morning, it's finally time! On va décorer tout l'appartement au complet, je suis tellement excitée. Genre ce matin on dirait que j'étais un petit peu perdue, puis quand j'ai réalisé que c'était enfin la journée où est-ce que j'allais décorer l'appart au complet, j'étais folle, ok? J'étais tellement contente. Puis en sortant de ma chambre, je pouvais voir le sapin dans le salon, c'était tellement beau puis magique. Ça me fait sourire vraiment instantanément, j'adore ce feeling là. Fait que c'est ça, je suis vraiment excitée de décorer aujourd'hui. Là je me suis fait des petits muffins, un café, je vais pouvoir avoir des petits snacks en même temps de décorer. Puis c'est ça, fait que je vais aller vous montrer un petit peu les décos. Donc j'ai deux petits sapins ici, j'ai des housses de coussin que je vais mettre dans la chambre et dans le salon. J'ai mon petit calendrier, j'ai ma couronne pour mettre sur la porte là-bas, ça va être la porte d'en avant. J'ai aussi des guirlandes de sapin, j'ai la boîte avec un sapin pour mettre à l'extérieur. Ça je vais peut-être attendre mon chum pour faire l'extérieur. Sinon j'ai toutes les petites décorations ici que je vous ai montrées dans le hall. J'ai des chocolats que je vais probablement mettre dans le petit calendrier ici. Mes guirlandes d'eucalyptus, d'autres petites décos ici. J'ai un autre guirlande de sapin qu'on voulait mettre autour du poteau dehors. Puis j'ai d'autres sapins ici avec mes petits bougeoirs. Puis ça, c'était dans la salle à manger. Je l'ai amené ici parce que je pense que je vais le déplacer. Fait que on a tout ça à placer aujourd'hui ensemble. Je suis vraiment excitée. Puis là, il y a encore des petites décos là d'automne un peu partout. Comme j'ai la pumpkin ici, ça. Sur la table de la salle à manger aussi, j'ai quelques décos. Puis là, pour le salon, je pense que je vais enlever cette doudou là. Il va falloir que je change les coussins, ça c'est sûr. Fait que let's go, on va le petit sapin en arrière. Oh my god! Faut vraiment que je me calme, sinon je vais être énervante. Je suis désolée. Alors, je vais commencer par vous présenter comment j'ai fait mon petit village blanc de Noël. Je suis tellement contente du résultat. C'est pas parfait, mais c'est justement ça que j'aime parce que je trouve que ça la rajoute un petit peu de personnalité. Alors, la première chose que vous allez avoir besoin, c'est ce type de carton-là. C'est comme deux feuilles de carton mince avec un foam comme entre les deux. Je l'ai trouvé au Michaels. Je vais vous montrer un petit papier avec les mesures, à peu près la grosseur de petite maison que j'ai fait, si vous voulez vous en inspirer un petit peu. Puis, vous pouvez en faire le nombre de fois que vous voulez des petites maisons comme ça, là. Mais ça, c'est comme mon petit modèle de base. J'en ai fait plein d'autres aussi, des longues, des larges, mais ça va vraiment selon vos goûts, si vous voulez varier un petit peu, là, c'est vraiment optionnel à vous. Une fois que j'ai fini cette étape-là, je vais venir mettre un petit tapis de découpage en dessous parce que je veux pas scraper ma table, obviously. Je vais prendre un petit exacto comme ça. Il va super bien pour venir découper ce type de carton foam-là. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle, mais dans le fond, vous allez tous venir découper où est-ce que vous avez fait des lignes. N'oubliez pas de découper aussi vos petites fenêtres. Donc ça devrait ressembler à ça. Maintenant pour l'assemblage, je vais prendre le devant, un côté. Je vais mettre de la colle chaude tout simplement, puis je vais venir coller un côté au devant. Puis oui, même si la colle est chaude, j'ai pas peur de passer mon doigt, ça me brûle jamais. Je vous le dis, c'est tellement simple à faire ces petites maisons-là, puis c'est vraiment le fun. Maintenant pour le toit, pour bien que ça s'accote sur toutes les parois, on va venir donner comme un petit angle dans le foam. Fait que c'est ça qui va vraiment faire en sorte que les deux morceaux vont pouvoir s'accoter pour faire vraiment la petite pointe, le sommet de la maison. Fait qu'on le voit un petit peu ici, là, ça s'accote beaucoup mieux, sinon ça ferait vraiment un angle awkward, là. Ça serait pas comme aussi lisse. Et voilà, comme je vous dis, c'est pas parfait, ça c'est juste la base, on va tout venir la recouvrir. Et là, guys, une chance que j'existe et que j'ai pu faire les tests pour vous parce que j'en ai fait des tests. D'enfant, la première fois que je l'ai fait, j'avais pris du plâtre de Paris, je l'ai tout fait sécher. Je me suis dit, ah, oh, ça va être pas pire comme résultat. Puis quand je suis venue pour le sabler, ça l'a tout craqué. Genre, c'était vraiment pas le bon matériel. Puis même que je voyais sur quelques maisons que ça fendait, là, donc c'est sûr que ça allait casser. Alors, j'ai pris l'endos d'un tournevis, puis j'ai tout cassé puis enlevé le plâtre de Paris. L'autre option que j'ai pensé, c'est de prendre des bandes de plâtre, mais finalement, je sais pas, j'aimais vraiment pas la texture que ça donnait. Je pensais que j'allais pouvoir aussi le sabler. Finalement, il y a comme trop de fil là-dedans. Puis c'était beaucoup de gossage aussi à venir comme tout découper les petites fenêtres. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment pas aimé le résultat de celle-là.
Mais là, enfin, j'ai trouvé le produit magique. Il est pas donné, mais il est tellement worth it. C'est comme du plâtre, mais je pense qu'il y a un petit peu de silicone dedans. Donc, il casse juste pas. Il est souple, il est léger aussi. Ça rend pas tes petites maisons super lourdes. Bref, je suis venue tendre ça sur toutes mes petites maisons, comme si c'était du glaçage à gâteau. Puis, je pensais que ça allait vraiment sabler comme super bien. Mais, turns out, à cause du genre de silicone qu'il y a peut-être dedans, c'est un peu plus difficile. Donc, je vous suggère de vraiment lisser le plus possible. Puis, mettez-en pas trop épais, mais pas trop mince non plus pour pas qu'on voit trop au travers là, parce que ce mortier de structure là, il est pas totalement opaque, mais c'est ça, on l'a laissé sécher toute la nuit, puis le lendemain on est venu sabler. Je pensais que ça allait être totalement lisse pour faire un peu l'effet des petites maisons de porcelaine que je voyais partout sur Pinterest là, mais finalement ça l'a laissé de la texture, puis je pense que j'aime vraiment ça parce qu'on dirait des maisons en neige. Ça donne vraiment un petit vibe de pôle nord là, puis j'adore ça. Donc voilà, après les avoir sablés puis enlevé le petit excès de poussière là, je suis venue les mettre dans une boîte et je les ai spray paint en blanc. Parce que je voulais qu'il y ait un petit peu plus de coverage, puis que, je sais pas, il y ait plus comme vraiment un petit blanc de neige, là. Quand ils ont fini de sécher, j'ai ajouté un petit top coat pour être sûr qu'il y ait rien qui écaille, puis qu'ils soient full belle. Puis même si je les range pour l'année prochaine, ils vont rester vraiment gorgeous. Et pour la dernière étape, je vais venir comme fumer mes petites fenêtres, parce que je vais vraiment mettre une petite bougie à l'intérieur, mais je voulais pas que, à cause de la lumière de la bougie, on voit l'intérieur de ma petite maison. C'est pas ce qu'il y a de plus cute avec la colle chaude et tout. Enfin, je voulais vraiment faire un petit effet fumée aux fenêtres. Donc j'ai acheté une genre de feuille de plastique comme ça. J'ai pris du tape bien normal. Ça allait venir le taper à l'intérieur. Puis j'ai vraiment fait ça pour tous les côtés de ma petite maison. Pour le deuxième DIY, je vais vraiment vous présenter des petits coussins hivernales de Noël. Je voulais pas y aller trop comme quétaine, justement pour que vous puissiez les garder pour tout l'hiver. Mais gars, je pense que vous êtes rendu à un point où vous me connaissez. C'est sûr et certain que j'allais faire des coussins. Donc j'ai acheté un beau tissu vert et là, les coussins que j'ai déjà à la maison, ils mesurent 20 pouces par 20 pouces. Donc pour me donner un jeu, je vais couper deux carrés 21 par 21. Et là, je vais pas faire la technique que je fais toujours d'habitude, qui est dans le fond le coussin enveloppe. Là, je vais vraiment mettre un zip pour vous montrer comme une autre sorte d'option, mais je dirais que c'est vraiment plus compliqué que le coussin enveloppe. Donc vous allez superposer les deux carrés ensemble et vous allez coudre trois extrémités du carré. Et vous allez comme flipper le rebord un peu, c'est pour qu'il y ait une plus belle finition avec le zip. Puis vous allez tout coudre le contour de ce qu'on vient de faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre zip et vous allez venir l'épingler pour que ce soit vraiment secure. Puis vous allez le coudre. Puis je vous le dis, je suis vraiment pas une master pour mettre un zip. Je pense que c'était ma première ou deuxième fois gros maximum là. Puis c'est ça, c'était pas l'affaire la plus facile. J'avais le mauvais pied aussi. Mais bref, vous allez coudre un côté à la fois. Une fois que ça c'est fait, vous allez coudre l'autre côté. Et là, moi j'avais ouvert le zip pour faire ce côté-là. Puis je suis vraiment pas bonne pour vous expliquer comment coudre un zip là. On dirait qu'on voit rien pendant. Vous irez peut-être voir une autre vidéo YouTube, vous voulez plus de détails, là, je suis vraiment désolée. J'ai tourné mon coussin à l'endroit, puis n'oubliez pas de couper aussi les petits coins. Fait que c'est ça que ça donne. Mais là, obviously, je voulais pas juste un coussin vert, je voulais mettre un petit design dessus. Fait que j'ai pris un petit tissu blanc que j'avais déjà en retail chez moi, et avec un autre bout de papier, encore une fois, que j'ai trouvé chez moi, j'ai dessiné un petit sapin dessus. Ensuite, je suis venue toute la découper avec ma paire de ciseaux. Et je suis venue l'épingler à mon bout de tissu. Et dans le fond, je viens de me faire un petit guide pour découper mon tissu. J'aurais pu faire le dessin directement sur le tissu, mais je voulais être sûre qu'on voit pas de crayon sur mon tissu. Mais c'est sûr que ça complique un peu plus la tâche. Vous pourriez y aller plus facile, oui. Oui, on dirait que je viens le réaliser en le faisant. J'aurais pu juste être sûre en coupant qu'il reste pas de crayon. C'est normal, c'est stupide ce que j'ai fait. Excusez. Réalisation! Faites pas ce que je viens de faire! Ah, c'est ça. Je pense que pourquoi je me suis faite comme un petit patron, c'est vraiment parce que je voulais pas que mon sapin soit tout croche, puis tu peux pas vraiment effacer sur ton tissu, là. Bref, une fois que tout votre tissu est découpé en petits sapins, vous allez mettre sur votre coussin, l'épingler juste pour qu'il soit un petit peu sécuritaire. Puis je vais venir prendre un petit fil de laine et je vais venir coudre à la main tout le contour de mon sapin.
Ah, puis aussi pour me faciliter la vie, puis je vous le suggère fortement aussi, vous allez pouvoir trouver ça dans un magasin de tissu, ou moi je l'ai même trouvé au Michaels, mais le petit cerceau en bois comme ça pour venir étirer votre tissu, là, c'est vraiment un game changer, ça va full vous aider, vu que c'est une surface beaucoup plus lisse, il y a moins de plis awkward de tissu, ça va être sûr aussi que votre petit design, là, il va être bien réparti sur le tissu. Une fois que j'ai fini de faire le contour de tout le sapin, je vais vraiment rentrer mon fil pour qu'il aille à l'intérieur. Puis je vais venir faire un petit nœud pour être sûr que le fil ne ressort pas. Alors voilà, ça devrait donner quelque chose comme ça. Maintenant pour les autres coussins, ça je les ai vraiment faites avec ma technique d'enveloppe. Donc c'est rien vraiment de nouveau, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Alors voilà les petites mesures de tissu pour mes coussins si vous voulez prendre un screenshot. Alors je vais venir marquer avec un crayon et découper le tout. Et je vais faire le même processus que d'habitude. Et voilà, on va pouvoir le mettre à l'endroit, rentrer notre coussin et tada! Et l'autre modèle de coussin que j'avais, il est vraiment rectangle sur le long, donc ça va être vraiment le même principe que vous venez de voir. C'est juste que les mesures, au lieu d'être sur un carré, ben c'est un rectangle, mais ça revient vraiment au même. Fait que ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Puis là, je trouvais qu'il était trop simple. Donc j'ai décidé d'ajouter une petite ligne de fil blanc juste pour faire un petit contraste vraiment cute et simple. Fait que voilà. Je pense que je vais mettre de la petite musique de Noël pour me mettre vraiment full dans l'ambiance parce que ça me tente pas de faire ça comme dans le silence complet. J'ai envie de full me mettre dans le mood. Fait que je vais vous laisser me regarder décorer, ok? Let's do this. Ok, je suis en gros dilemme. Je sais pas si je laisse ça comme ça ou le coussin vert en dessous. Option 1, option 2. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Vous me direz dans les commentaires parce que je sais vraiment pas pour vrai. Genre ça c'est beau parce que tu sais, on voit le sapin. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, je sais pas. Dites-moi c'est quoi votre option préférée. Comme vous avez pu voir, pour accrocher la guirlande de perles, j'ai pris des petits tie wraps comme ça. Puis je suis venue l'attacher sur la colle. Puis je l'ai juste mis en dessous de quelque chose que je sais qu'il allait être assez lourd pour tenir la guirlande. J'ai fait la même chose ici, le petit sapin. C'est comme une petite base en ciment, là, fait que c'est assez lourd comme ça. Fait que là, la petite guirlande, elle tient comme ça.
Fait que hier on est allé au Labé puis j'ai acheté les petites bougies à batterie. Fait que là je vais aller mettre ça dans toutes les petites maisons. C'est pour ça que j'ai mis comme des petites fenêtres fumées là, parce que je voulais absolument mettre une petite lumière à l'intérieur. Fait que on va faire ça ensemble. Oh my god guys, j'ai terminé de décorer tout l'appartement au complet. Je vais vous faire un petit tour avec des beaux shots. Puis c'est ça, let's go! Enfin terminé toutes les décorations dans l'appartement, puis je trouve ça tellement magique puis beau. Je suis full fière de mes petites décos, puis je me sens juste toute bien dans mon petit cœur là. C'est tellement tellement le fun. En fait, j'ai pas entièrement terminé, il me reste encore à décorer dehors, puis aussi en plaçant les décorations, puis après avoir fait le tour là de l'appartement pour les re-regarder parce que je suis full de même. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits DIY que je n'avais pas présenté, dont la guirlande de bois que j'ai mise sur la petite tablette. Je vais en refaire une pour que vous voyez un petit peu comment j'ai fait là, mais c'est tellement tellement simple. Vous avez juste besoin de cordes et de perles, fait que je vais vous montrer ça right away. Ok, let's do this. Donc je vais prendre de ces perles là, les autres je pense que ça va être trop petit. Puis je vais vraiment mixer les deux parce que je trouve ça beau. Puis je vais utiliser, comme je vous ai dit, la petite corde. Il est où mon bout? Fait que là on va venir faire un petit nœud au bout de la corde, mais on veut vraiment laisser comme une petite loupe là pour pouvoir l'accrocher, peu importe où est-ce que vous voulez l'accrocher. Je vais venir faire un petit nœud comme ça. Ça, ça se casse. J'ai même envie de quasiment faire un autre nœud. Fait que là, je vais tout simplement venir couper l'autre extrémité. Puis là, je vais venir insérer les petites perles, que tant que ça soit comme une bonne longueur pour moi de guirlande, là. Je passe la perle comme ça, puis tu fais ça 15 millions de fois! Je viens comme re-rentrer le petit bout de corde, là, ici, là. Je viens re-rentrer dans la boule comme ça. Là, on le verra pas, ça va être secure, je veux juste avoir le petit nœud comme ça.
Et voilà. J'ai fini. Regardez ce que ça donne. C'est tellement beau. Le son. I love it. Fait que c'est vraiment cute. Puis finalement, j'ai mis des grosseurs comme plus petites au milieu pour vraiment qu'on voit un peu la différence de la grosseur. Sinon, je trouvais qu'on le voyait pas beaucoup, mais j'ai quand même gardé les extrémités là avec les trois, mettons, moyennes. T'as les grosses. Puis après les 20 boules, c'est les petites. Ici. Et voilà! Hihi! Oh ben je pense que ça va être tout pour le vlogmas d'aujourd'hui. Je pense que je vous ai montré beaucoup de choses puis que le vlog est assez long en fait. Mais je suis tellement excitée. Je trouve ça tellement le fun de juste comme get into it, genre dans le vibe du temps des fêtes, puis en tout cas, j'espère vraiment que vous aussi vous avez aimé la vidéo et que ça vous a peut-être un petit peu inspiré à rajouter des petites décorations dans votre décor si c'est déjà fait, parce que je sais qu'on dirait que cette année là c'est vraiment ces stéroïdes Noël là, puis tout le monde le fait comme vraiment avant le mois de décembre. Fait que ça se peut que je sois vraiment en retard de tout le monde, mais bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, puis également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie un nouveau vlogmas. Et vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2 M. Je pose vraiment quotidiennement en stories. Et là, vu qu'on est le mois de décembre, c'est festif, c'est joyeux, on a envie d'être généreux, ben il va y avoir plusieurs petits giveaways là. Fait que vous irez vous abonner, restez à l'affût parce que j'ai vraiment, vraiment envie de profiter de ce moment-là pour vous gâter. Donc voilà, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!